Bonjour, nous sommes le 23 novembre dans la Réunion 4 à Saint-Cloud et la course 2 que nous voyons actuellement sous les yeux. La course n'est pas encore courue, il est 13h22. Alors, nous allons examiner, nous n'avons que 8 partants sur cette course. Alors, observez tout de suite le CX 63% qui indique déjà que nous sommes pratiquement au bord, je dirais, d'une course qui laisse à désirer avec des partants que nous pouvons voir ici avec des valeurs CX qui sont souvent proches de 0, des partants qui ne sont pas vraiment au top. Alors je vais passer effectivement, je dirais, ma visu hein, ma vue à partir, donc des cotes en direct. Je choisis les cotes en direct, et je vois dans la zone A, puisque nous sommes 8 partants, et que le calcul des bases euh, ne peut se faire que si vous avez euh, au moins 9 partants. Donc là je fais un, un tri par cote direct. je vois que le 1 dans la, dans la, zone, euh, dans la zone A est, donc, est de mise avec une cote en direct de 1,8. Alors on peut décider de prendre ou non effectivement cette cote en valeur. Moi personnellement je ne prendrai pas cette cote là en tout cas si je veux la jouer en simple gagnant. Ou alors je prends le risque si je veux et je, il faut que je m'attende à quelque chose. Maintenant, euh, je choisirais plus volontiers, il s'agit d'une petite cause, c'est du plan. Alors les plans, on est tenté de penser que du 1, 8 ou 2, 6, ça peut arriver, c'est le cas. Moi, euh, par expérience, je partirais plutôt du principe, soit si du tout ou rien ici, soit le 7 va arriver parce qu'il a une valeur IDC qui est excellente, un CFP qui est pas mauvais du tout. Par contre les CX, donc c'est-à-dire que sur la valeur même de la carrière du cheval, les CX ne sont pas vraiment au top top. J'ai modifié la vue et j'ai regardé ici les participations des chevaux avec leurs Et je vois ici que pour moi, dans cette configuration, si je devais jouer le 7, je le jouerais donc en base avec un autre cheval qui serait le 5. Pourquoi Parce qu'il a une valeur CFP qui est très forte avec une valeur IDC qui est pas trop mal. Une régularité dans son rtx rtx représentant les places de premier deuxième et troisième donc il est assez régulier l'ensemble de ses gains sont pas mauvais et il a couru 22 jours donc si je devais jouer un couplet je jouerais le 7 avec le 5 alors faut-il jouer un couplet placé ou gagnant euh, un peu compliqué à dire dans l'état actuel des choses je dirais simplement que si j'avais à choisir un autre couplet je choisirais le 8 en base et là, le 8, je pourrais le choisir en simple gagnant. On pourrait choisir le 7 en simple gagnant, mais bon, mon avis, c'est risqué. Dans ce cas-là, je choisirais plus volontiers le 8 en gagnant et en placé, vu sa cote hein, qui est encore en fait à 16 contre 1. Euh, il est fort probable que nous ayons encore, je dirais, euh, un autre cheval surprise euh, avec euh, le 8 et le 5, et ce euh, cheval surprise pourrait être par exemple mon goût le numéro 4 alors nous allons voir l'arrivée de cette étape moi de mon côté je vais miser avec un outil qui va me permettre de tenir compte de ce que je viens de dire le 8 en gagnant et en placé et du couplet avec le 7 le 5 le 8 et le 4 par exemple et si je souhaitais en fait un autre couplet je ferais le 8 avec le 6 à tout de suite pour les résultats Voici donc dans les résultats de la R4 C2 que nous venons d'étudier. L'arrive officielle, le 7, le 6, le 8, le 1, 2, 5, 4. Nous voyons que 7, 6, 8, et eh bien nous avons fait un petit carton, c'est bien pratique, bon, ça va pas rapporter des tonnes, mais j'avais raison en tout cas sur le 1 et privilégier le 7. Voici donc les résultats financiers, un petit couplet, mais c'est toujours sympathique à prendre, surtout lorsque vous jouez même ne serait-ce qu'en simple gagnant ou en simple placé les deux voici donc euh, j'ai appliqué pour mes couplets les couplets que j'ai cités dans cette r4 c2 le 8 le 7 le 8 5 le 8 4 le 8 6 et j'ai appliqué donc, euh, les, donc les codes gagnantes que j'ai très largement minoré puisque là je pars du principe que je vais jouer en placé non hein, et couplé en placé je vais pas les jouer en fait en en Gagnant, hein, bon, euh, j'ai un petit peu trop peur de perdre entre guillemets. Je dirais que je suis pas la certitude du gagnant, mais en tout cas, je pense de toute façon avoir un ou deux couplets là-dedans. Ce qui est le cas avec le 8, le 7, le 8, le 6. Donc, j'ai mis euh, au lieu des cotes respectives que vous pouvez constater 6, 8, 7 et 6,5. Pour les cotes placées, j'ai indiqué 1,3. Comme ça, je ne me casse pas trop la tête. Les mises que j'ai à consentir sont pour le 8 et le 7, 7 euros en placé, 10 pour le 8 et le 5 en placé. 8 et 4, je, je paye donc 17 euros et 27 pour le 8 et le 6, ce qui me fait un investissement total de 61 euros, qui me semble tout à fait raisonnable. Le coupé 8 et 7 rapporte 5,2 et le 8 et 6 rapporte 5,8. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai un résultat net, toute mise déduite de 132 euros sur cette course. À partir de là, je peux décider d'arrêter de jouer si je le désire. Maintenant, si je joue en jeu simple, en appliquant ce que j'ai donné comme valeur, donc avec le numéro 8, j'ai indiqué une cote gagnante qui était de 16. Je l'ai minorée très largement pour que mes, je dirais que mes mises soient un peu plus au fait. Et donc là, j'ai en gagnant, j'ai mis 4 euros et en placé, j'ai misé donc 14 euros avec une cote placée fixe de 1,3. Le placé me rapporte 2,8 sur The Durf. Le 8 n'est pas arrivé, malheureusement, gagnant. Et donc là, j'ai un ratio de 218% puisque j'ai gagné en net ici 21,20€ qui viennent s'ajouter donc aux 132 précédents. Donc là, pour moi, j'ai fini ma journée. À partir du moment où vous estimez dans cette stratégie gagner 100, euros par jour, eh bien on peut être content sans passer sa journée devant un ordinateur. Passons à l'exemple suivant sur les courses de Compiègne cette fois. Pour celles et ceux qui découvrent d'autres logiciels, TENF Info Pro, sachez qu'il est gratuit et qu'il est disponible carrément en téléchargement sur notre site que vous voyez ici, donc à l'adresse d'EurFrance. Vous pouvez donc le télécharger. Donc vous pourrez faire exactement les mêmes analyses que celles que nous venons de vous montrer et celles que nous allons encore vous montrer au fur et à mesure. Alors si le cœur vous dit de vous abonner, eh bien allez-y, de toute façon, le logiciel est gratuit, il y a simplement euh, une mise à jour de la base de données, en fait, qu'il faudrait évaluer euh, en fonction donc, des tarifs du site, mais qui sont euh, plus que raisonnables, parce que c'est pratiquement du gratuit. Alors profitez, voilà. ça ne coûte pas cher, de toute façon, de gagner un peu d'argent, pour une fois. Et une autre course avant le départ et donner nos pronostics en suivant les règles qui ont été données pour les valeurs ATX, IDC, CFP et les autres valeurs que je vous fais découvrir. Voyons ici tout de suite le même jour sur la Réunion 3 Compiègne avec 9 partants. Là encore bon quand je regarde la valeur CX, 78% n'est pas forcément une course idéale. Nous avons donc 78% de mauvais chevaux. Hein, il faut le prendre comme ça. Quand je dis mauvais, ce sont des chevaux qui n'ont pas beaucoup d'antériorité. Nous le voyons d'ailleurs au travers donc, des différentes musiques. Donc là, c'est une course avec des arrivées surprises. Donc là, personnellement, moi, ça je vais, je vais éviter. On peut l'analyser, mais je vais éviter. Alors on va l'analyser quand même, puisque nous avons euh, 9 partants. Et je vais vous donner mon sentiment sur cette course. Je pars donc sur les bases de calcul. Je vais trier sur les cotes en direct. Et je vais tenter d'évaluer à partir des cotes en direct. Première impression bien que ici nous ayons des valeurs IDC et CFP intéressantes, nous avons en l'occurrence parmi les gagnants du potentiel avec le numéro 3, le numéro 4, et s'il nous fallait un outsider, je dirais bah ben l'outsider je choisirais je choisirais le numéro 8. Donc c'est donc une façon de ne pas perdre de l'argent en jouant dans des courses qui ne sont pas de toute façon stables et viables. Nous pouvons aussi observer que le numéro 2 est pas trop mal placé. Donc nous voyons que Compiègne, donc cette course numéro 4 va démarrer dans 1 minute 30. Nous allons donc observer les résultats pour une course qui, comme je l'ai dit, ne devrait pas être jouée. Donc départ évident, les chevaux se mettent en place. Pour l'instant, le 4, le 1, le 3, 1, 4, 3. Nous avons le 8, le 1, le 3. La course change au fur et à mesure. Espérons que le 8 tienne au choc. Si le couplet 8 et 1 arrive, c'est un couplet qui va bien payer. Le 8 a l'air de reprendre du poids de la bête avec le 5. Ça tombe bien. Notre numéro 5 est présent. Le numéro 3, le numéro 2. Le 4 et le 8. Donc premier le 5, 3, le 2 et le 4 ou le 8 apparemment euh, en photographie. Donc euh, le 5 euh, est à 7 contre 1, donc une belle code. Dommage pour le 28, il a bien suivi la course, mais c'était quand même un bel outsider. Donc voici les résultats de la R3C4 sur Compiègne. Le 3 que j'avais pronostiqué donc arrive à 1,50. Si vous jouez en The Show et si vous visez le The Show, effectivement, les rapports sont intéressants. En général, les The Show rapportent entre un facteur 3 et 4 par rapport au simple placé chez The Turf. Le 2 rapporte 1,60. Alors le couplet 3 et 2 480, alors on peut jeter un coup d'œil euh, maintenant du côté des rapports que cela aurait engendré si j'avais joué le 3 et 2 euh, en couplet ou en tout cas le numéro 3 en base tel que je l'avais décliné. Donc j'ai voulu faire du dodging euh, avec euh, un outil que j'ai créé également, donc un deuxième outil que j'ai créé qui me permet donc de réaliser mes misses. J'ai soit la possibilité d'indiquer une mise, soit la possibilité d'indiquer un gain minimum recherché. Comme ici, j'ai souhaité, avec des codes que j'ai largement minorés, puisque je joue en couplet et placé, le 3 et le 2, le 3 et le 4, le 3 et le 8, euh, 3,5, 6 et 7 si les rapports sont là en tant que placé. Pour 100 euros, il va quand même falloir que je joue 149 euros. Voilà, donc mais maintenant on peut très bien, euh, pour viser de moitié, de toute façon, viser 50 euros de gain et dans ces conditions, eh bien on est à la moitié. Alors, si vous vous souhaitez viser moins, ben, vous visez moins. Moi je vise 100 euros et, et donc j'obtiens mes résultats, je mise 149 euros. Le 3 et 2 sort avec un rapport de 4,80 que je calcule. Le 3 et le 2, eh bien, j'ai un gain de 340,80€ brut avec un ratio de 229-230 et 191,80 euros net euh, de réussite. Maintenant, je vais vous montrer les judging. Ça, ce sont des outils personnels qui ne sont pas à vendre. Je vais vous montrer sur internet euh, le judging un site qui va vous permettre de faire ce que je viens de faire. Par exemple, si j'avais indiqué euh, mettre euh, réaliser une mise euh, je dirais de, de 100 euros ici, je fais 100 euros, je calcule, et là avec 100 euros, vous voyez, par, par opposition aux 150, là j'ai un gain, une espérance de 68. On va le vérifier. Le 3 et le 2. Donc là, je suis très largement en dessous. Pourquoi J'ai 132. Euh, pour une raison très simple, c'est que j'ai volontairement minoré la cote 3 et 2 à 3,5 en rapport de couplets placés possible alors que il me rapporte 4,80. Si j'avais indiqué par exemple 5, 5 euros j'optimise, les mises sont calculées en fonction des cotes, le 3 et le 2, vous voyez que euh, j'ai une espérance de 96 euros de gain et je suis à 91 net donc là nous sommes à un ratio donc un ROI de 190%. Vous voyez donc là l'avantage. Raison pour laquelle souvent je minore sans exagérer, je minore euh, les cotes. Et en minorant les cotes en couplet placé, vous prenez la cote du premier et du deuxième cheval, vous les additionnez, et vous divisez par 4 ou 5 le rapport, euh, le rapport effectivement en couplet placé. Plus les cotes sont fortes, plus la somme est importante. Et eh bien, plus à ce moment-là, vous allez minorer. Vous ne descendrez jamais si vous avez des chevaux euh, cumulés qui font euh, 50 euros, euh, 50 contre 1. À ce moment-là, bah, vous pouvez en fait espérer avoir une cote qui sera de l'ordre de 12 ou 13 contre 1 en couplet placé. à l'inverse, si vous avez euh, 13, euh, 13 contre 1 pour euh, deux chevaux, euh, exemple le 3 et le 2, là, je vais descendre à 3,5, je vais diviser par 4. Voilà comment je procède. Et. En tout cas, ça marche bien, je peux bien vous le garantir. Maintenant, je vais vous montrer où aller sur internet pour faire du dodging pour avoir l'équivalent. Comme ça, vous serez totalement indépendant. Voici donc euh, le site sur lequel je vous invite euh, à vous déplacer, hein. c'est un site que j'ai trouvé sur internet qui est vraiment très très bien. Et bon, comme là ici, j'ai répercuté donc ma sélection 1 avec euh, le 8 euh, et le 3, on va le revoir. Alors, donc le, pardon, le 8 et le 3. Oui, il n'y a pas le 3 et le 8. Donc il y avait le 3 et le 2, le 3 et le 4, le 3 et le 8, avec des cotes respectives de 3, 5, 6 et 7. Donc 3, 5, 6 et 7. Vous voyez okay. que donc là, en fait, moi je dis, je vais faire une mise de 100 euros. Et donc là, dans ces conditions, avec les cotes que j'ai indiquées, on vous dit 48, 28 et 24. Vous voyez qu'on est bien à 48, 28, 24, hein, donc un euh, euro près ici, parce que j'ai rajouté moi effectivement un, on va dire un flag, un drapeau pour dire j'arrête là ma sélection puisque je peux en sélectionner 8 également hein, dans l'outil que j'ai créé. Donc vous voyez que nous sommes bien de toute façon sur les mêmes euh, calculs. Maintenant, si comme moi par exemple vous souhaitiez euh, miser 149 euros. Voilà, donc euh, avec un profit, effectivement, je dirais, qui est, euh, qui est indiqué ici. Donc ça, c'est un profit en rapport des cotes. Mais comme les cotes, de toute façon, euh, sont, euh, je dirais, euh, supérieures, en rapport 4,80, donc vous allez forcément gagner plus. Voilà, donc n'oubliez pas le site qui est là pour faire vos propres pronos en delching Calculator. Alors, vous pouvez le faire sur des chevaux simples. Si vous avez trois chevaux simples que vous jouez en gagnant, et vous pouvez le faire, il ne faut pas le faire en placé, parce qu'en placé, ça ne rapportera pas suffisamment avec ce type d'outil. C'est du gagnant. Ou alors, vous pouvez en fait soit euh, indiquer, donc virtuellement, dans votre tête, sur le papier, vous indiquer les cotes en euh, couplet placé, ou en couplet gagnant, de la manière dont euh, je vous ai indiqué. Et là, à ce moment-là, vous allez gagner aussi, euh, j'irai raisonnablement de l'argent en fonction des mises que vous souhaitez euh, consentir. Quelle que soit la mise, vous aurez toujours le ratio qui sera présent. Si vous êtes à 200%, après la nuance, comme vous l'imaginez, c'est simplement ce que vous allez gagner sur le moment. Je reviens sur Saint-Cloud dans la course numéro 3. Nous sommes à 5 minutes, un peu plus de 5 minutes du départ. Et nous allons examiner s'il y a des variations de cote. Alors, petite information importante, nous voyons qu'il s'agit de deux ans, donc des chevaux qui n'ont pas vraiment d'historique, qui n'ont pas beaucoup couru. Donc attention, là aussi, même si le CX est inférieur à 65, il n'en est pas moins vrai que les courses de deux ans sont en général à éviter. Sauf si vous avez une stratégie particulière et que vous avez du recul avec un pécule qui vous permet de le faire. Moi, personnellement, je vous dirais qu'il s'agit donc d'une course qu'il faut éviter. CX inférieur à 65, ça passe, mais course de 2 ans, attention, évitez. Nous le voyons ici d'ailleurs hein, dans, euh, dans cette information, nous voyons donc les mâles de 2 ans. Nous voyons que ce sont des chevaux effectivement qui n'ont pas vraiment, je dirais, un très très bon historique. Nous avons un CX de 67%. Et lorsque nous analysons l'ensemble de ce jeu, je dirais que là vous risquez fort d'avoir des variations d'arrivée, des variations donc avec des cotes qui vont fortement chuter, et des variations d'arrivée qui seront certainement surprenantes. En termes d'outsider, je, je dirais par exemple ici que le numéro 10, dans l'ordre actuel et les cotes en direct actuel, le numéro 10 est un très bon outsider parmi les 3-4 premiers. Un autre outsider qui semble prometteur est certainement le numéro 5. L'outsider surprise ici pourrait être le numéro 18 ainsi que le numéro 9. Sur un choix de base, je choisirai le 2 et le 6. Nous allons voir dans quelques instants pour cette course très difficile donc de deux ans. Si nos résultats reflètent l'analyse que je viens de faire, vous pouvez également associer le numéro 2 avec le numéro 13 en couplet. Nous voici donc sur la visu de Saint-Cloud avec un départ imminent, Saint-Cloud R4 C3, dans cette course de chevaux de deux ans qui vaut mieux éviter. Ça y est, départ de la course. Il s'agit d'une course non pas d'endurance, c'est une course sur 1600 mètres. Avec un an partant de 13-12 pour le moment en tête. Il semblerait que les 2 et 13 se soient largement déplacés. Une arrivée serrée comme on peut l'imaginer. Le numéro 3. Le numéro 2, le numéro 5 et peut-être photo avec le 11. Si nous avons une, une arriée avec le 11 ou le 13, on dirait non, 5-13. 3-2-5-13. Voici donc euh, en finale les résultats pour Saint-Cloud dans la R4 et Course 3. Donc le 2 est payé à 2,20, 2,70 pour le 5. Euh, et puis le couplet 2,5 paye 8,20. Le 13 est bien présent, mais le 13 est, est en fait le couillon de la partie, à quand même 10,40 euros. Alors si on applique les couplets et qu'on applique les jeux. Euh, avec une montante, ça donne ceci. Et voici donc pour cette course, euh, je vais prendre les couplets avec le 2 10, 2 5, 2 18 et 2 9, puisque le 2 était ma première base. Euh, la somme donc des cotes est de 46 pour le 2 et le 10, 15 pour le 2 et le 5, 80 pour le 2 et le 18 et 19 pour le 2 et le 9. Comme je veux jouer en couplets euh, placé je vais donc décider euh, dans mon logiciel, mais on peut faire la même chose donc sur internet, je vous l'ai dit, de dire voilà, bon, si celui-ci arrive, je vais me retrouver à peu près à 9,50 dans ces œufs-là, donc je divise très fortement. À 15, bon je vais dire que je vais m'attendre à du 5 euh, contre 1. Euh, à 80, bah, je vais dire que ce sera au moins du 12 contre 1 à la place. Et à 19 contre 1... Je dirais que euh, je vais avoir donc euh, du 8 contre 1 à peu près euh, si celui-ci arrive. Les résultats sont donc les suivants le 2 et le 5 euh, payent 8,20 euros. Donc nous allons entrer 8,20 euros. Et voilà, je décide par exemple de jouer. Euh, 60 euros. Je calcule les mises. Je peux espérer gagner au moins 56 euros. Voici les mises le 2 et le 10, 13 euros, 24 euros, 10 euros, 15 euros. Voyons les résultats avec le 2 et le 5. J'ai donc gagné 134,80 euros en misant 60 euros, 196 euros brut un Ratio ROI donc de 317%. Voilà, donc euh, vous voyez que c'est pas forcément inaccessible, bien au contraire. Donc en finale, je viens de vous prouver encore par le simple fait des analyses des indices IDC, CFP, CX de vous démontrer à plusieurs reprises la manière de sélectionner vos chevaux et de jouer avec des outils qu'ils ont en ligne, de jouer directement des mises au montant que vous souhaitez, selon vos moyens, et de gagner un peu d'argent. Si après ces démonstrations en live, vous estimez que le logiciel n'est pas capable de vous donner ces éléments, que vous n'êtes pas capable de les comprendre, vous avez tout à fait le droit de le penser, de le dire. Mais entre nous, là, je m'adresse aux turfistes que vous êtes et que je suis. Dans ces conditions, laissez tomber les courses. Les courses ne sont pas faites pour vous, objectivement. Bon, ça n'engage que moi, mais franchement, si, si vous trouvez que c'est inaccessible, laissez tomber les courses ou continuez de jouer un euro de temps en temps et ça vous fera plaisir et c'est l'essentiel. Sinon, si après ces démonstrations, en Réel, vous pensez encore que ce logiciel gratuit est inaccessible pour vous? Là encore, un conseil d'ami, laissez tomber les courses, c'est trop fort pour vous. Voilà, donc moi, c'est pas grave, moins on sera joué, plus on gagnera. Maintenant, moi à votre place, je n'hésiterai pas, hein. euh, j'ai rien à vous gagner, rien à gagner. De toute façon, à vous, vous dire de, de prendre ce logiciel, d'être vous abonner effectivement chez Terre France, pourquoi? Parce que bah, le logiciel est gratuit, alors bon. Et entre nous, euh, si vous prenez même euh, de toute façon, euh, bien entendu, je dirais la mise à jour annuelle euh, et journalière de la base de données pour 57 euros, pour ce que je connais maintenant, franchement, si vous trouvez que c'est encore trop, bah, laissez tomber les courses également et continuez de jouer à 1 euro. C'était l'ami du turf qui vous le dit, hein, voilà. En tout cas, bah, tant mieux, je dirais, comme j'ai dit, pour ceux qui ne croiront pas euh, ce qui a été vu en live avant les courses ça nous donnera l'occasion de gagner un peu plus d'argent. Voilà. Pour les autres, ceux qui croient, ceux qui ont vu, ceux qui ont bien compris, eh bien, allez-y, moi, à votre place, je n'hésiterai pas. Dernière chose, vous ne trouverez rien, quand je dis rien, d'équivalent sur le net, je suis formel. Vous ne trouverez aucun logiciel, aucun pronostic qui vous donne toutes les informations que l'on vous donne. Et informations croisées que l'on vous donne avec Turf France, avec les explications sur des indices hippiques qui vous permettent de jouer et de choisir vos chevaux avant que les courses n'aient lieu, sans avoir une obligation de connaître les cotes. Après, les cotes, quand vous les avez après, moi, quelque part, ça m'aide beaucoup. Mais au départ, la veille, je peux déjà faire un tri des chevaux qui sont les plus promos. Merci d'avoir suivi cette dernière vidéo en live. Et puis, à très bientôt, bon jeu. Venez nombreux sur le site, téléchargez ce logiciel, abonnez-vous à la base de données. Vous n'allez pas regretter si vous suivez les conseils que je vous ai donnés. Allez, à très bientôt. Ciao